Monsieur Sarah, c'est Lionel Benjamin, biologiste, chanteur, compositeur. Et dame Sarah, c'est Roselyne Benjamin, métier, c'est psychologue. Ces deux moun sa yo, yon 27 juin 1981, qui t'a parlé de naissance à yon petit garçon. Et puis yon relèl Mikael. Ti 4-4, Mikael t'a parlé tomber d'amour musique. Et yon tizan mil t'a parlé même trouver non artiste li pou li, Mika Ben. Mika pour Mikael, et puis Ben pour Benjamin. Pour ça qui gagne pour avec l'école, si bonhomme là t'est passé dans Colette Nier dans Petionville là là pour classe primaire. Et puis il est arrivé dans 7e année fondamentale, il a pas traversé caille frère de l'instruction chrétienne yo dans Saint-Louis de Gonzague pour classe secondaire. Et c'est là tout, nous avons joindre Mikael Benjamin qui d'amour toute matière qui gagne rapport avec l'être yo. Par exemple, l'école me t'aimer littérature en pile. Te kon tout bagay yo pa ke se mwen te pi fon nan Saint Louis, se mwen te pi fon nan literatu, nan dissertation, kom si yo, yo toujou ap fe goun not nan bay sa. A 18 l'ane, precisément en 1999, Mika Ben ta pral oblige kite te d'Haïti ak malet nan men pou yal kontinye zafè l'ekol la nan peyi Canada. E yon titan apre, l'amou pou mizik ta pral mette yon fren nan avansi si la. E si ou ta mande m kote l'amou pou mizik la soti, li pap difisil pou kompren. Papal si yon potorik gason nan zafè mizik nan peyi d'Haïti. E monsieur Sarah, menm pote non Père Noël haïtien avec plus passé 30 musiques Noël dans Jacout li. À 14 l'année, c'est Mister Lionel même qui t'a pral montrer Mikael comment c'est grager ti guitare. Et dans même l'âge ça tout, li t'a porté sous dol choral l'école côté le té. L'm té dans l'école dans primaire et Kai Colette Miem té toujours dans choral, c'est moi qui té pi fort dans choral là. Et m té toujours bon vraiment un penchant pour la musique, c'était en fait c'est son bail que moi grandi là-dedans. Et parmi l'autre artiste qui t'a simé ti grain do ré mi fa sol la si do dans jardin musique Mika Ben, ou t'es joué Bito Vaoba, Bob Marley, R. Kelly, Michael Jackson, tout artiste ça yo. En pile nan nous connaît Mikael Benjamin comme moun qui composait musique bien. Mais ou t'a mandé m tout, depuis qu'il l'a metté l'encre sous papier pour accoucher belle mélodie. Mais comment le répond ça? J'ai 16 ans en Haïti, mon copati. C'est là ça que m'étais composé, commencer composer musique. Première musique que moi t'ai composé, c'était avec guitare. Et musique ça, c'était Forever Mine. Babe, since the day I met you, I gave you my heart. Until I came to know you, I swear it was hard. Mais première musique qui t'a pas enregistré pour prouver grand public là qui sa talent sa kabay, et c'est une musique qui marque scène musique Noël en Haïti, c'était Noël Tristesse avec ce li Mélodie pendant le Canada. Yon vin ka desan, mwen tap mache nan la vi koto pres. Di ton ton nouel, kote ouye. Etan Canada, Mikael Benjamin sorti deux albums. Voyage, premier album là qui était sorti en 2000 avec 9 musiques sous lui. Forever Mine, I Can't Cry, I Can't Sleep, et puis Hit Sa, ou parti. Qui moun ki pa konnen? Et c'est tellement musique ça t'a fait parler de lui. En 2001, dans le projet Haïti Troubadou volume 2, Fabrice Ouzier dit, musique ça a faut qu'il place en premier sous plaque là. Et qu'il a pas contribué dans le succès projet à tout. Premier jour m'en compte, qu'il m'en manque été, ça m'a cherché en l'air, même moi je n'y a terre. Deuxième album Mika Ben pral sorti en 2004 avec pour titre Mika, album qui te gen sou li si m te gen zèl. Yon ti chans. Si m te gen zèl. Pou yon zazo m ta vole. Akè yi zétoile nan sèl. Si m te la pli. Mwen ta jete klo pou mouze. Album sa a te men mené Mika Ben nan plusieurs festivals au Canada. Tankou Francofolie de Montréal. Après passage Mika dans le pays Canada, il pral tourner la caille. Et c'est là tout, avec cousin li David Dupou, il pral mettre campé groupe Crazy Music. Et avec Crazy, Mika Ben pral sorti album Sans Menti sous li ou te joindre back to back, Pache ki Crazy, Les Mouéou. Qui vivait la 20 jours,
pendant que t'as marché sous. Et avec groupe Crazy Music ça, Mikabel tout est marqué passage li dans le parcours carnaval en Haïti avec Meringue d'un coup. Et en 2009, expérience crésien pour aller faire un petit camping. Mika Ben pour aller consacrer tant qu'on y a à carrière solo. Et c'est là pour aller sortir troisième album solo li en 2010 qui te gagne titre artiste local Pap Jam Perry. Pendant l'année 2012, yo, Mika Ben te lancé projet Conbeat avec Olivier Duret et puis quelques autres amis. Yo te sorti musique, Tigui Dip et puis prend la ria. Après projet ça, Mika Ben t'a pas sorti musique ça à toute diaspora. Depuis yo besoin rentrer en Haïti sans ou pas prendre avion. Yo parcel Haïti c'est Haïti c'est belle la mer c'est belle montagne ak belle rivière c'est belle plage ak pi kokoye bel paysage ak belle couleur Haïti c'est sans café ka monter nan nem. Là li rive moment Karimi en 2009 Karimi pral sorti album li ki pote nom Boz et sous album ça qui te gen 12 musique ou te jouen Mika Ben sous morceau Femme sa mauvais qui te en 10e position et c'était un hit. Et en 2013, sous l'album Invasion, Karimi toujours, nous avons rejoint Mika Ben sous morceau Baby I Miss You, hit Pired. Baby I miss you. Début 2014, c'était Mika Ben qui était en abjuré par le carnaval en Haïti à Karimi. En 2015, Mikael Guirin, qui est chanteur vedette Karimi, dit qu'il prend une pause. Et c'est Mikael Benjamin, yon l'autre mi, qui t'a remplacé pendant temps ça pour jazz la patrité en Kari. Après Mikael Guirin tourné, et puis Mikael Benjamin continue faire chemin en solo. Mais collaboration à Karimi est toujours solide. Dans le carnaval en 2016, avec tout programme Karimi te qu'on a joué dans Zénith à Paris aux Antilles jusqu'à ce que jazz la vienne craser. En 2016, Mika Ben te signe un contrat avec label Warner Music France qui t'est accouché titre ça type amenant. Malheureusement collaboration ça a été mal fini parce que label la pas respecté thème contrat. En 2018, Mika Ben t'a sorti 4e album solo li ak titre MKBN qui te gen titre tan kou Ayi Bobo. Konnen nan kesyon kolabore ak artist ak group, Mikael Benjamin se youn nan artist ki fè plus nan industri müzik ayisyen. Tout sa yo arrive posib a koz de polivalans li e pi ak fason la. Mwen ne avek on inspirasyon e sa se kler mwen ne avek on inspirasyon avek on talan e pi avek on foug pou la vi, on amou pou les om. So mwen son ki san fason toujou kom si ap grine dam mwen pa jem gen mouve le a person mwen amde de Mika nan bif. So, il a toujours comme ça. So, bah, on est peut-être que c'est ça qui fait de moi, monde que aujourd'hui. Tout style, toute musique, c'est Mika l'a composé, l'a produit, l'a chanté pour groupe, artiste en solo, pour jeune Karimi, Créole là, T-Vice, Kai, Walk Fam, Impossible, musique, harmonique, artiste, Richard Cave, Kenny, Cadillac, Isolant, Jay Perry, Steve J. Bryan, Baki, Princess Ed, Théolis, qui long en pile. Mika collaboré avec tout le monde. Mika Ben était tellement pour un secteur musique là que il était une artiste qui était toujours à militer pour question droit d'auteur. Moi, je pensais que c'est un problème de manque d'éducation et manque d'information dans ça. Parce que
non seulement artiste yo même yo pas assez éduqué par rapport à ça ou ça me dit là parce que yo pas connaître que l'existé depuis là petit monde même là me gain 5 ans 5 10 ans 12 jusqu'à 12 13 ans moi pas connaître que t'ai en affaire de droit d'auteur mais les regarder des séries de qui j'ai envie vraiment il était estimé musique artiste yo a gaspillé trop yo manqué protéger et c'est dans cadre projet ça il était contacté pour le dire Will qui tout ça ou pour réaliser une série capsule vidéo sous droit d'auteur parce que il était estimé travail ça a li pas fait dans le pays a et moi j'ai trouvé c'était une honnêteté pour nous travailler ensemble sous ça chaque moment n'a brasser l'idée faire un compte avec l'autre acteur dans musique haïtien pour qui j'ai un projet ça t'es qu'à camper bon dommage il est en partie il va réaliser pendant Mika Ben dans musique comme ça tout il en fait social après tremblement de terre 12 janvier 2010 là il était mettre camper projet Tissouf avec celui Mélodie c'est un projet qui était gain objectif travail dans question éducation faire activité sociale culturelle et en 2022 là il a pas relancer projet ça fois ça c'est dans souci pour aider professeur l'école yo. Côté vie privée, Michael Benjamin était marié en 2011. Et en 2012, il t'a pral divorcé. Mais il était en gain, petit garçon ça qui c'est Gabi. Et en 2020, Mika t'a pral fait un deuxième mariage, fois ça c'est avec Vanessa Fanfan. Côté il t'a pral gain une petite Léa. Et en décembre 2022, Mika Ben t'a pral gain une troisième petite. Et dommage, c'est dans photo avec vidéo petit ça après reconnaître papa Mika aller quitter deux timoun et puis madame li qui enceinte Mika ben aller bonheur sa pièce moun pas espéré mais elle t'est sacrifié pour communauté pas là pour musique pour Haïti non artiste là après t'est gravé dans l'histoire musique nous avec plus passé 80 musiques participer dans production plus passé une cinquantaine écrit plus passé une vingtaine musique qui fait hit collaborer avec plus passé 40 artistes groupe c'était artiste qui était pi polyvalent dans génération pas là kabao compa R&B reggae dancehall zouk tout style c'est Mika Ben un gros bout de tonton artiste la vie pas de chance pour le traverser qui était 41 l'année c'est comme ça il parti subitement dans fait sale qu'on fait sale remé sous scène Accor Arena dans Paris 15 octobre 2022 reposer dans la paix Mika haïtien pas jamais oublier.